tout le monde. S'il vous plaît, les poudres passeport qu'on avait, on a reçu, les écorces qu'on a reçues, on a mis en forme de poudre là. Salle de production, mettez-les. On doit les formuler pour en faire des produits. On doit parler de ça sur la page cette semaine. Donc sortez ça, s'il vous plaît. Comment ça va pour vous? I once was lost, and now I'm found. That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Très saint, que ta grâce nous couvre ce matin. Pendant la prière ce matin, j'ai eu l'envie de vous parler de la grâce divine. Donc ceux qui ont suivi la prière qu'on a faite tout à l'heure, j'en ai parlé. J'essaie de lancer le direct sur TikTok. TikTok me joue des tours. Au TikTok. Bon, je pense que faire le direct sur TikTok, c'est pas obligé. Il y a des choses que je vais vous dire ce matin. Et je veux quand même me connecter pour que beaucoup de personnes écoutent. Vous savez, parfois, on se fait du mal sans savoir. On se hait carrément sans savoir.
Personne ne se dénigre autant que toi. Est-ce que vous me suivez? Parce que je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas si ça fait un bug sur le truc. Une dame a fait un message dans lequel elle était en train de pleurer. Et elle disait vraiment, aussi jeune que 22 ans, elle était dans les procédures de divorce, dans les tribunaux avec son mari, son ex-mari. Après ça, elle a dû aller vivre dans une chambre qu'elle payait à 14 000 à l'époque. Elle dormait au sol. Sa famille ne savait même pas où elle vit. Ce n'est que récemment. Ils ont commencé à avoir des soucis. Certains d'entre eux qui sont rapprochés d'elle. C'est là qu'ils ont vu comment... Là où elle en est. Beaucoup d'entre vous, Dieu est en train de vous réparer. Parce que vous êtes des personnes que l'ennemi avait prévu de vous abîmer copieusement. L'ennemi avait prévu de te... C'est ça en fait qui fait que souvent tu restes... Tu changes d'humeur soudainement. On a l'impression que tu es dépressif. Je ne vois pas les commentaires sur votre truc. Là, je crois que je vais... Est-ce que vous me suivez sur Facebook? Je vais peut-être relancer. Vous me suivez? Bon, je vais supposer que vous me suivez. Nous sommes comme des personnes abîmées qui marchent. Là, vous allez vous réveiller aujourd'hui, vous arrivez au boulot, dans le métro, peut-être vous rencontrez des gens. Et on a tellement été rejetés, meurtris, insultés. Elle dit que même quand on payait la pension de ses frères, juste après, on ne payait pas. On fait quelque chose de bien à tes frères. Quand on arrive sur toi, peut-être tu as commencé à avoir l'argent, mais tu bloques ton mariage ou tes relations. Parce que ton cœur est meurtri. On t'a fait du mal si bien que tu ne penses pas que quelqu'un puisse t'aimer sincèrement. Bonjour. L'ennemi va venir jouer avec vous. Je me rappelle, j'ai une de mes filles qui est à Paris. Elle a plusieurs enfants. Et il y a de là quelques mois, je me rappelle, un de ses enfants a failli se suicider. Et quand elle a découvert, tu imagines ce que c'est que pour une maman de voir que son enfant avait acheté les remèdes pour ce don. Et c'est l'enfant qui est venu avouer que vraiment, je voulais en finir avec la vie.
tous les traumatismes qu'elle a, elle a refusé de guérir. Elle est passée, elle tente de les passer à son enfant. Et ça, si vous voyez. Dans cette période de votre vie, vous allez être emmené. Emmené, c'est le mot. Bonjour, merci pour le cadeau. Vous serez conduit à vous aimer un peu plus. Aller dans des endroits où c'est beau. Je me rappelle, il y a un membre de ma famille qui a beaucoup d'argent. Et à un moment, cette personne avait besoin d'un logement dans une autre ville. Bon, c'est pas la ville où cette personne a construit. Je connais que c'est une personne qui est dans les 15 millions le mois. Le chiffre d'affaires au moins. Est-ce que vous savez que cette personne a demandé un studio de 50 000? C'est là que les équations ne donnaient pas dans ma tête ce matin un peu. Je connais ton pouvoir d'achat. Mais cette personne ne pense pas qu'elle mérite de vivre. Donc vous voyez les stigmas que vous avez mis dans votre tête, non? Dès que tu vois, ça c'est les bobos. Ah, c'est pour les gens aisés là-bas. Hein. Ils ont l'argent. Mais quand tu regardes bien, ils n'ont pas plus d'argent que toi. Hein. Quand ils vont faire leurs choses, ce sera propre. Ils veulent faire le mariage, ils vont dans un endroit beau. Ils veulent même vivre, ils vivent dans un quartier riche. Il y a des maisons pas très chères dans les quartiers de riches. Et toi, tu te dis, ah, moi, non. Bon, moi, je peux pas, ça c'est... Parce que quand tu étais petit, et je vous mens pas, c'est comme si sur chaque choisi, le diable s'est assuré qu'il mette sur votre chemin dans l'enfance quelqu'un qui va te faire croire que tu ne mérites pas l'argent. Tu ne mérites pas l'attention. Tu ne mérites pas l'amour. Bonjour, bonjour. Comment vous allez ce matin? Vous vous aimez mieux? Tu as rêvé de moi, qu'est-ce que je faisais dans ton rêve? Et comme tu ne crois pas que tu mérites de l'amour, qu'est-ce qui se passe? Tu te... dénigre. L'une des signes, quand tu reçois l'argent, tu veux seulement dépenser. Il y en a parmi vous, vous ne croyez même pas que vous méritez de garder de l'argent. Vous partez en mission. On partait en mission hein, dans ton rêve. Oui, j'ai parlé de ça hier. La promotion continue jusqu'à midi. Qui désenvoûtement et protection des enfants, oui. De ceux qui viennent de tomber sur mes vidéos, au début, mes vidéos sont faites pour... Mes vidéos sont faites au début pour vous faire vous rendre compte de qui vous êtes. La mission arrive. On va y aller, on va aller en bataille.
Il y en a que quand tu tombes sur mes vidéos, il y en a parmi vous êtes des généraux d'armée spirituelle. Et je disais tout à l'heure que l'ennemi s'est arrangé pour mettre sur votre chemin dans l'enfance des personnes qui vont gâter. Donc, tu es peut-être avec quelqu'un où tu... Voilà, ok. Supposons que tu grandis dans une famille avec papa et maman. 22, 25 ans, tu te maries avec quelqu'un qui te menace. La personne détruit ton estime de toi. Tu sors du mariage là à 30 ans, tu es abîmé. Tu as l'enfant, tu avais un ou deux hommes. Vous avez une relation tellement conflictuelle. Quand tu sors de là, tu as 35 ans, hein. Tu ne veux plus entendre parler d'un homme. Tu as mal, tu as abîmé. Quand un homme te parle à distance, tu fuis ce nom. Les choisis ont généralement des périodes de leur vie où ils ont beaucoup souffert. Et le but de l'ennemi, c'est de vous affaiblir. Vous devez comprendre que le processus de restauration prend du temps. Je vous ai parlé de la femme que ça fait un an qu'elle a commencé à... J'ai commencé à travailler sur elle. C'est 12 mois après que je commence à travailler sur elle qu'on lui demande un mariage. On demande sa mère en mariage. On dit même ça comment. On demande... En tout cas, elle est fiancée. Résumé de toi, elle est fiancée. On demande ta mère, ton corps reste comment. On te demande un mariage. Bon, en tout cas. C'est avant-hier qu'on lui a demandé qu'épouse-moi. Mais quand elle est arrivée... Et je vous rappelle quand je lisais son témoignage. Il y a un endroit dans le témoignage où... je crois que c'était en avril, non, en février. Elle a rêvé qu'elle elle se rachetait. Donc, c'est comme si on était allé l'acheter, la vendre quelque part. Elle a rêvé qu'on lui a dit ce qu'elle doit venir me donner pour que je prie pour la sortie de là où on l'avait vendue. Elle avait acheté 7 pagnes, 7 foulards. C'est ce qu'elle avait vu dans son rêve. Je n'ai pas dit que c'est forcément ça. Elle vient avec la boisson, elle avait l'argent, 7 billets de 5 000, je pense. Elle a donné. Il y en a parmi vous. Avant que tu ne commences à travailler sur les gens, que tu commences à coacher les gens, conseiller les gens, faire des vidéos, je ne sais pas. Dans 2-3 ans. Depuis 6 mois, tu es en traitement. Tu es en salle de soins. Koulibaly, bonjour. Tu es en salle de soins. Et ce soin-là va encore durer même 18 mois. Avant que tu te lèves un matin comme ça, tu te retrouves. Vous venez de loin, mon. Vous sortez de très loin. Trois mariages échoués. Tu as même beau ça, tu es calé en route. Tu as échoué, tu as honte. Là où tu es là, tu es caché. Quand tu écoutes ça ce matin, je viens te sortir du trou là. Donc, si tu savais les choses qui t'attendent. Certains, vous êtes des généraux d'armée, des colonels dans le spirituel. Vous avez une grande mission pour aider les gens. Mais votre passé est lourd. Émotionnellement, c'est lourd. Vous avez un fardeau. C'est pour ça que Jésus dit, venez à moi. Et c'est, avant, quand j'écoutais, je disais, qu'on vient comment, non? Ok, Seigneur, je veux bien. Comment même déposer le fardeau que tu ne connais même pas que tu as? Bonjour. Ce que je sais, c'est que c'est quand tu guéris que tu sais que tu étais malade. Il y en a parmi vous, la douleur est devenue votre quotidien.
Dans ton mariage, tu es habitué au rejet. Ça fait un an que ton mari ne t'a pas touché. Toi, tu es habitué. Tu as certes une grosse voiture, tu as tout ça, mais tu traverses la vie. Kevin, tu te dénigres beaucoup, Kevin. S'il te plaît, écoute d'abord. Quand il te lit, ces gens, tu te vois comme une petite... Arrête, like, je ne veux pas penser à ton énergie. Dans ton processus de guérison, tu dois comprendre que personne ne te doit rien. Personne ne viendra te sauver. Au contraire, les gens vont t'enterrer du mieux qu'ils peuvent. Me suivez? Du mieux qu'ils peuvent, ils vont vous enterrer. C'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute. Le seul devoir que tu as, c'est envers toi. Toi. Renew, tu sais que tu peux écrire, mes secrétaires te répondent. Le kit des envoûtements, si tu es en France, le kit des envoûtements va te coûter peut-être, c'est la promo, on prend la promo, tu vas payer 230 euros. Tu as écrit hier, il est 7h19 au Cameroun. Donnez quand même le report, mes employés commencent à 7h30. Tu as écrit hier, dimanche dans la nuit. Soyez un peu patient, non? Je suis en train de dire quelque chose d'important dans ce direct, s'il te plaît. Ceux qui veulent les services, les produits, écrivez sur le lien qui est là-bas. La secrétaire, elle commence dans 10 minutes. Elle va vous écrire. Protection pour les enfants. J'ai dit qu'en promo. Écris seulement, tu dis que j'ai dit que la reine a dit que vous me faites la protection pour les enfants. 25 000 par enfant. Normalement, c'est 33 000. 25 000 par enfant. Les promotions s'arrêtent à 12 heures aujourd'hui. Et le kit 230 en promotion, oui. Tu envoies ton adresse. Comme tu as des enfants, précise qu'en envoyant pour tes enfants, on te met le bracelet avec le médaillon pour les enfants. Tu as compris, non? Dis-leur que j'ai dit que tu ne rajoutes pas l'argent pour ça. J'ai eu l'idée l'autre jour de faire des petits bracelets de protection pour vos enfants. Donc je vais les augmenter aujourd'hui. Ok. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas venu. Et aussi, je vous comprends parce que beaucoup d'entre vous, vous avez été victimes de sorcellerie. Donc, tu es là comme ça. Oh my goodness, je sens tellement l'énergie de ça sur moi. Dans l'enfance, on t'a bloqué. J'ai la fête hier que j'ai organisée hier. Il y avait un bébé, elle avait maximum 24 mois. Elle ne prononçait pas bien les mots. Elle dit, nanana. Maman, c'était une jumelle parce qu'il y avait son frère jumeau à côté. C'était la star de la soirée. Tout le monde avait les yeux rivés sur l'enfant. Là. Elle part là où la femme a fait le karaoké. Elle ne faisait que prendre le micro. Elle marche sur la scène. Je vous dis, l'enfant de moins de 2 ans. Il y en a parmi vous, on avait vu pour vous dans l'enfance. On a vu, tu étais intelligente à l'école. À partir d'une certaine année, paf, c'est comme si on avait vidé ta tête. Donc voilà, tu n'arrives pas à compléter un cycle depuis 4 ans que tu as l'université là-bas en Beng. Dès que tu commences à étudier les mots de tête, j'ai les produits pour les examens, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ce n'est pas le direct des plaintes. J'ai les produits pour les examens.
Francine, bonjour. Sois bénie aussi. Je vous ai parlé d'une de mes filles. Elle est tombée sur mes vidéos en avril. Elle a 28 ans. Elle avait fait le bac 7 fois. 6 fois, c'était sa 7e année. Donc elle dit qu'à partir du BEPC, elle a commencé à redoubler. Elle a fait le BEPC 5 fois, le probatoire peut-être 6 fois ou 5 fois aussi. Le bac, c'était sa 7e année d'avoir fait le bac. J'ai fait une vidéo ici là pour parler de son témoignage. Elle était dans une relation comme ça aussi. Je commence à travailler sur la fille. Pam! Son gars lui donne 1 million. Que fais ce que tu veux avec. Il prend encore un autre million. Il cherche l'appartement. Il la met dedans. Et elle dit que quand, chaque fois qu'elle avait passé un examen, elle avait tout les. Elle avait remarqué qu'elle avait un bout de tête. Maman, la fille a passé le bac cette année. 28 ans. 28 ans que les gens ont accouché 3 enfants dans le mariage. Vous-même, vous. J'ai dit à la fille, elle ne me croit pas. Elle va voir. Je lui ai dit de marquer mes mots. En 3 ans, Dieu va lui donner ce qu'elle aurait pu avoir en 15 ans dans sa vie. Elle m'écrit l'autre jour, elle me dit, avant-hier, je pense. Parce qu'elle a fait ses papiers pour aller au Canada. L'autre jour, je partais faire le test d'anglais. Dès que j'entre dans la salle, tac, mot de tête. Heureusement qu'elle a le truc là, le parfum. Prenez les parfums. Il y a le parfum, on appelle parfum examen. Il y a le donne-moi tout. Voilà les choses que vous devez avoir sur vous, lui, le blindage, le sort de moi. Je ne passe pas mon temps à créer les produits pour rien. Elle qui avait le parfum examen sur elle, elle a pris, tac, tac, elle a mis. Dès qu'elle a mis, c'est comme si elle a, son esprit est revenu en elle, elle a composé. Et vous savez que les affaires de test du Canada, là, parfois même trouver le centre, pour trouver seulement une place vide, là, c'est dur. Tu arrives le jour là, à mot de tête, bien, tu ne composes pas. Tu attends encore 6 mois. Vous devez comprendre que vous revenez de loin dans les blocages. Il dit qu'il y en a parmi vous. Quand tu avais 17 ans, tu étais trop belle. Ventre plat. T'as un chocolat du taxi. Il dit même d'un chocolat. T'as un chocolat et t'as un taxi. Oui, je fais des sacrifices pour les parents morts. Bien même. Mais c'est des choses dont je ne parle pas. Je ne parle pas sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas vu une vidéo où je dis que wow, sacrifice de ceci. Quelqu'un ne peut pas venir comme ça, première fois, il fait le sacrifice. Non, je dois d'abord m'assurer que tu es quelqu'un que je suis déjà. Parce que je ne peux pas me mettre devant comme ça là pour rien. Certains d'entre vous, donc quand tu étais jeune, tu ne pouvais pas marcher en route sans que les grosses voitures ne s'arrêtent. Et là, tu as de voir que ta fille a le même esprit. Tu as deux de tes enfants là que partout où tu arrives, tu as dans une soirée avec tes enfants comme ça là, c'est que eux qu'on va voir. Ne blaguez pas. I beg. Ne faites pas ce que vos parents ont fait sur vous. Ta mère c'est la femme la plus bête qui existe sur cette terre que tu connaisses. Voilà Kevin, voilà même petit pays s'était arrêté. Tu n'extrapoles pas ma chérie. C'était ton aura. Je vous dis que le mal, votre mal ne vient pas de loin. Quand je travaille sur les gens, et je demande toujours à Dieu que je veux qu'on vous montre vous-même vos bloqueurs. C'est pour ça que vous n'avez pas venu en consultation, mais il va vous dire que ta tante te bloque, ta ceci. Mais je suis sûr que mes guides vont venir te montrer. Dans ton rêve, on va venir te montrer. Parce que mes paroles, tu vas oublier. Mais quand tu as fait un rêve, on t'a montré. L'autre là, ça va partir difficilement.
Un jour. Oh, je vais pas oublier la femme. J'étais en Côte d'Ivoire. En passant, je suis à Abidjan à partir de mercredi. Vous savez, le travail, c'est que je fais. Je veux éveiller les consciences plus que tout. D'abord. D'abord. La femme, si dans sa consultation, elle me dit. Elle a commencé à se laver avec le sel. Avant de m'approcher pour la consultation. La consultation, on était en promotion pendant 10 jours. C'est terminé, donc ça avait terminé hier, j'ai prolongé jusqu'à 10h, jusqu'à 12h aujourd'hui. Promotion, c'est 10% de réduction. Donc, la consultation, normalement, c'est 80 000. En promotion, c'est 72 000. Mais si vous venez de commencer à me regarder, ne cherchez pas la consultation. Prenez un kit. Kit fondation, commencez par ça. Il y en a à Paris. Si vous achetez à Paris aujourd'hui ou demain, les kits fondation là-bas, c'est 210 euros. À Paris seulement. Si on poste, tu payes 220 euros. C'est pas possible de me rencontrer, ma chérie. Achète mes produits, tu commences à utiliser. Ouais, pourquoi vous voulez toujours ça, non? La dame m'explique ceci. Elle commence à se laver avec le sel. Elle-même, elle a les enfants. On a les produits aux USA. On poste, il y a des produits là-bas au Maryland. Au Cameroun, le kit, c'est 70 000. 70 000 à mon temps. Je vais raconter l'histoire de la dame. Mon numéro est dans la bio. Mon numéro est dans la bio. Dans ma bio TikTok là. 237 693 50 22 66. On envoie en RDC. On poste. RDC Burkina Faso. On poste partout. Donc écoutez l'histoire de cette dame. Quand elle m'appelle là, elle a peut-être 47, 48 ans. Elle me dit, oh, son histoire m'a touchée. Elle a les enfants qui sont déjà dans les 20, 21, 22 ans. Ils sont en France. Elle est là célibataire. Elle dit qu'elle ne comprend pas ses blocages. Elle a commencé à se laver avec le sel. Ne cherchez pas à me rencontrer, s'il vous plaît. Je sais qu'elle parle, vous ne voulez pas comprendre. Ne cherchez pas à me rencontrer. J'ai des produits que j'ai bénis. Même si c'est le sel seulement. J'ai le local au Gabon, j'ai le local à Abidjan et à Libreville. Allez sur place acheter les produits. Si vous êtes dans d'autres pays, on vous les poste. On ne peut pas me rencontrer. Tu te bloques. Tu n'as pas besoin de moi, je n'ai pas besoin de toi. La vie est simple. On poste au Togo. Donc, la dame, pendant la consultation, elle me dit, me voici, je remarque que mes enfants commencent à devenir... Je m'inquiète pour mes enfants, parce que chaque fois, leur vie en télépathie, là, c'est comme si rien ne va sortir de bon de là. Et là, elle m'explique que, dans ces lavages au sel, la semaine d'avant ou bien le mois d'avant, sa tante, c'est-à-dire la sœur, la petite sœur de sa grand-mère maternelle. Sa grand-tante. Le kit fondation en Côte d'Ivoire, c'est 90 000. Sa grande-tante, voilà l'histoire. Quand sa grand-mère et sa petite sœur étaient là, jeune fille, elle grandissait. Chacune a commencé à avoir son enfant. Un jour donc, la grande sœur se moque de la laideur de l'enfant de la petite sœur. Tes enfants là, La petite sœur entend ça. Ça l'énerve. Elle part. Elle bloque. Les enfants de sa grande sœur. Ça, c'est une révélation. On dit ça à sa mère a 75 ans. C'est la tante, la grande tante de cette femme qui est déjà presque en train de mourir.
Donc, imagine si ta tante, toi, ta mère a 75 ans. Ça veut dire que sa mère doit être normalement dans les 95 ans. Elle dit que quand on était jeune au village, ta mère a insulté mes enfants. Je suis partie, j'ai bloqué ta mère, j'ai bloqué ses enfants, j'ai bloqué les enfants de ses enfants. Donc celle que je consulte qui a 47 ans, elle me dit que ses enfants qui sont dans la vingtaine, comment ils voient leur vie, c'est bizarre. Elle a commencé le lavage au sel. Seigneur, montre ce qui nous bloque. Ne blaguez pas avec les alliances. Ne blaguez pas. Quand vous naissez, vous ne naissez pas sur un terrain neutre. Vous naissez sur un terrain qui est déjà préparé, négativement ou positivement. Quand vos enfants naissent, ils naissent sur un terrain que vous, les parents, avez préparé. Dans mon travail, je vois tellement d'atrocités, pas physiquement des accidents, mais j'entends tellement d'histoires sales que ça me dégoûte. Donc, toute la vie de sa mère, quand elle souffrait, sa tante voyait. Sa tante savait pourquoi. Oh Seigneur. C'est pour ça qu'on est souvent dans une famille. Une sœur. Tous les deux mois, elle est aux États-Unis. Ses enfants sont là-bas, mariés aux sénateurs, mariés aux hommes de ceci. Même famille, hein, même père, même mère. Sa soeur est au Cameroun. Tous ses enfants sont bloqués au Cameroun. Je raconte, c'est pas le film nigérian, hein. C'est pas le film nigérian que vous dites. Quand vous prenez mes kits, vous commencez à faire. Dans la nuit, on vient te montrer comment telle personne te bloquait. La dame que je vous ai dit que hier, je vous ai annoncé que j'ai d'abord lu son témoignage avant, elle était tellement contente dans le direct. Elle a vu dans un rêve comment son frère était dans sa maison. Sa soeur était dans sa maison avec son ex-mari. On a montré les trois personnes qui l'a bloqué dans sa vie. Ils tentent de comploter contre elle avec sa photo. Et dans le rêve, elle est venue se délivrer de cet endroit. Je ne sais pas si j'étais apparue cette fois-là. Le matin, elle se réveille, son petit frère qu'elle a vu dans le rêve l'appelle. Bonjour, tu vas bien? Oui, je vais très bien. Il raccroche au nez. Tu peux sortir du même ventre que quelqu'un. Même père, même mère. Ah, ton fils m'a vu en rêve. Voilà. Dieu montre à vos enfants. La semaine passée, j'ai deux enfants qui m'ont appelé. Ma reine, je vais prier pour toi. Un autre de 3 ans. Il voit, il parle. Il fait le message, il prie pour moi dans le message. Il dit que les enfants, c'est là. Ce sont mes anges là-bas. Il est lavé la semaine passée. Dimanche, on lui demande le mariage. C'est une femme qui a au moins 40 quelque chose d'année. Hein. Je veux enfanter, je veux me marier, je veux. Quand il l'a rencontré l'année passée. Une autre, elle a suivi mes vidéos, commencé à faire le bain de sel. La première femme de son père vient leur avouer que mon mari et moi, on était mariés. Qui est votre père? On était mariés. Il est parti en train des choses qui sont compliquées. On lui a dit que il faut qu'il donne ses enfants. Comme on ne voulait pas donner nos enfants, lui et moi, on s'est entendu, il a épousé une deuxième femme. On savait qu'on allait sacrifier tous les enfants de cette femme. Et cette jeune fille, elle a beaux arts. Pour arriver en Europe. Elle est là-bas, abandonnée. Elle fait l'enfant avec un homme, pam, le monsieur part. Donc,
dit que quand la femme-là lui a avoué ça, elle était dépassée. Donc on te dit que même avant ta naissance, on t'avait déjà vendu. Tu prends ça comment? Hein? Julien, c'est pas parce que tu vas venir à mon direct qu'elle veut faire quelque chose. Hein? Je ne fonctionne pas comme ça. Moi, je te dis moi. Quand vous suivez les vidéos, on dit lavez vos seins, vous ne lavez pas. Faites comme ça, vous ne faites pas. Quand ça s'empile maintenant, vous venez. Je ne prends pas moi la pression, mamie. Quand je vois les suites, je ne prends pas la pression. Le jour où j'ai fait un sacrifice d'animal sur cette fille, elle est en France. Maman, elle dit que je sens comme ma poitrine chauffe. C'est comme si on retire un truc sur ma poitrine. Ma poitrine, ma poitrine. Elle dit, mamie, une jeune fille, elle a peut-être 26 ans. Qu'on ait endormi le cerveau de sa mère. Certains de vos parents sont là-bas comme des... Parfois, c'est ton père qu'on a endormi. Il ne peut rien. Quand vous pensez tout qu'il parle, ça m'enlève. Je ne parle pas le film nigérien, je ne regarde pas le film nigérien. Et la personne qui avait reconnu son enfant, comme on dit que tu es bloqué, ton enfant est bloqué. Elle arrive à la préfecture pour faire le papier, bloqué depuis. Alors que tout est bon, hein. L'enfant est censé avoir sa nationalité. Non, bloqué. C'est pas parce que tu as un enfant en bas âge que tu n'as pas travaillé sur lui. Parce qu'on bloque les papiers, l'enfant bloque ses allocations. Ça veut dire que tu souffres, il souffre. Souvent, on détourne la tête de ton enfant. Tu accouches l'enfant. Et comme tu es simpleton, tu ne travailles pas. Tu envoies l'enfant en bain. L'enfant est là-bas depuis 2 ans, 5 ans. Tu ne travailles pas toi chez l'enfant. L'enfant tape les bas 6 mois sans te contacter. Tu crois que c'est par hasard? Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois, c'est ton propre frère qui voit. Ah, elle a fait son enfant partir. Elle a eu le visa. Le cadeau maintenant. Le cadeau. Ton enfant prend une la vie dépose. C'est comme ça que les problèmes commencent. Maladie chaque jour. L'enfant ne peut plus partir à l'école. Ta fille tombe sur un gars qui tourne sa tête un genre. Une femme est venue me voir comme 6 fois. Avec 4 beaux enfants. Grand, bien sûr, sa première fille a peut-être 27 ou 28 ans. Je lui dis, mais maman, toi, tu as dormi chez les enfants, c'est que comment? Une est tombée sur un bamoun là. Mof. La mère qui s'est cassée a fait que l'enfant arrive en bain. La fille ne jure que par le gars. Elle ne veut pas entendre sa mère. Maman, c'est qui? Tu ne veux pas que j'aime mon gars. Je vais venir. On va se marier. On va. La mère est dépassée. Je déclare sur vous la lucidité d'esprit. J'explique comme ça pour que tu puisses analyser ta propre vie et voir. Que tu vois ce que l'ennemi avait prévu qui n'a pas marché, bien sûr. Parce que si tu tombes même sur ceci, que tu commences à te dire que hey, peut-être que. Ça veut dire que Dieu est en train de t'ouvrir les yeux. Je fais les consultations à distance, ceux qui sont au Canada. Là. Quand tu t'éveilles, les premières années, tu vas beaucoup semer. Alors, tu vas faire un petit travail, tac, ça s'ouvre un peu.
Après, ça fait comme si ça veut se fermer. Après, tu fais encore tac, ça s'ouvre. Après, ça fait comme si ça veut... Après, tu fais encore tac, ça s'ouvre. À un moment, ça devient la routine. Travaillez sur vous. La consultation à distance, c'est 72 000 francs CFA. Si vous venez de tomber sur mes vidéos, lavez vos selles d'abord pendant même 2 semaines en écoutant mes vidéos. Donc, c'est pour ceux qui me suivent déjà depuis 2-3 semaines, 2-3 mois, 6 mois, 1 an. Sinon, je vais venir te parler, tu ne vas pas comprendre. Quand quelqu'un m'a dit que la consultation dure combien de temps? C'est ça, ça. Non. Tu n'es pas encore prêt, tu vas encore m'écouter. Tu vois, on t'a cité 2 noms très clairement dans ton rêve. Et ils viennent parler. Finzi, prends le numéro de Libreville. 074-18-0080. Donc 074-18-0080. J'ai encore les promotions ici à Douala, partout. On a encore 10% de réduction jusqu'à 12 heures aujourd'hui. Voilà, c'est ça le numéro du Gabon. Le sel, il y a pour 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards, 7 milliards. Ne prenez pas le sel seul. Quand tu viens prendre le sel, prends le sel au moins avec un parfum et un encens. Ça, c'est le minimum, la base. Tu commences avec ça. J'ai un de mes voisins là-bas au Gabon. Il est venu réparer mon imprimante l'autre jour. Un béninois, je lui ai donné dans le sel. Comme compensation, parce qu'il pleure tous les prix de mes choses. Maman, il m'appelle 7 jours plus tard. Hey, ton sel là marche. Oh, je sens qu'il venait d'avoir une quantité d'argent là que. On poste au Togo. On poste à Yaoundé. On ouvre la boutique à Libreville à 8h. Sarah, le tout, c'est quoi et quoi, Sarah? Le sel est à combien? Avec 20 000 francs, tu peux avoir tout ça là, Sarah. Ils ne peuvent pas vous retenir à tel longtemps. Pour l'Italie, tu dis, on va poster. Il y a des commandes qu'on va poster aujourd'hui. On poste une fois par semaine, les lundis. Donc, tu payes, on va te poster ça. À partir de la France. Si tu es au Gabon, il faut prendre le numéro O2. Les produits sont en Côte d'Ivoire, oui. Je suis allé à Abidjan mercredi. Mais ne cherchez pas à me voir, je vous en prie. Donc, les produits seront à Abidjan. Il y en a déjà aujourd'hui. Le kit des envoûtements, il y a ça à Abidjan, si tu veux. Des blocages, oui. Kit fondation, je viens avec ça mercredi. Je m'appelle une de mes filles. Je vous dis tout que je vais venir danser à vos mariages. Je vais porter vos bébés que vous avez conçus et accouchés à 49 ans. Ne vous dérangez pas. Je vous dis. Si tu es en France, tu écris sur le numéro 237-693-50-22-66. Le numéro est dans ma biographie là, dans ma bio. Quand je rencontre cette femme,
C'était d'ailleurs une amie d'un de mes oncles. Donc c'est pour monter la tranche d'âge. Elle a un peu l'âge de mes oncles, comme ça, plus élevé là. Et même l'agent de la consultation, elle m'a expliqué comment elle a fait pour payer la consultation. Parce que l'année passée, la consultation était 25 000. Et même mes prix ne venaient pas. Observez-moi toujours, quand ma consultation sera 150 000, bon, vous allez venir vous chasser. En tout cas, continuons. Le temps a acheté seulement à Douala, je n'avais pas encore commencé à partir dans d'autres pays. Pour les États-Unis, vous communiquez avec mon numéro du Cameroun. C'est plus tard que les esprits qui la bloquent ont parlé quand je la soignais. Donc, ils disent qu'ils avaient bloqué son agent de la consultation. Le numéro d'Abidjan, 0779. 02-52-05. Sarah, je t'ai répondu, ne me dérange pas. Pour vendre mes produits, ne me dérange pas. J'ai une histoire que je suis en train de raconter, donc laissez-moi raconter mon histoire. Prenez les numéros. 07-79-02-52-05. Le numéro du Cameroun, 237-6-93-50-22-66. 237-6-93. Peu importe le pays, écrit à ce numéro. 237-6-93-50-22-66. On ne poste pas dans les pays lointains, s'il vous plaît. À moins de... Si vous faites des achats moins de 30 000, on ne poste pas. Ne pas porter un petit truc comme ça là pour aller payer l'envoi à 20 000 francs. Ça n'a pas de sens. Voilà ce que les gens qui la bloquent, ils savaient que c'est sa tante. Elle a avoué, après elle a donné son nom. Il y a certains esprits, quand il fait les désenvoûtements, là, il y a certains esprits qui parlent. Voici comment il dit qu'elle bloque la femme là. Hein. Tout homme qui vient de l'Europe, qui tombe amoureux d'elle, on la calcule toujours de Mbengue. Hein. Donc avant d'arriver, c'est elle qui part à l'aéroport de recevoir, vous venez dans le meublé, gna gna gna. Elle était dans son petit studio. L'année passée, février, quand elle commence à travailler cette dame, elle était dans un petit studio. Je crois qu'elle ne payait même pas plus de 40 000 là-bas. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Donc février 2022, elle est au Cameroun, elle souffrait. Il faut que tu t'assieds, tu fais un long témoignage, tu écris. Je vais enlever ton nom sur ça, je vais poster ça aux gens. L'esprit qui la bloque dit que il a fait de telle façon que si un benguiste même veut la veut n'importe comment, dès qu'il la rencontre comme ça là, c'est l'esprit qui dit hein, ils vont bloquer les choses de l'homme là. Si bien que l'homme va se fatiguer, il va partir. J'ai la mère de ma fille qui vous suit. Elle se dit choisie, mais fréquente des femmes. Mon problème là, c'est quoi? Hein? Je ne juge pas la sexualité des gens, moi. Peut-être qu'elle a trouvé le réconfort dans les femmes. Et ça te fait mal. Tu ne l'as pas bien entretenu. Désolé, papa. Je ne juge pas les gens. I'm not the typical judge that you're expecting. Il dit un autre blocage, c'est quoi? Son fils qui a les lunettes là. Oui. On a bloqué son intelligence. Que le mal Dieu là même, c'est nous qui avons mis ça sur lui. Son autre fils là, oui. On a fait de telle façon que partout où il est, on veut seulement lui faire du mal. Puisqu'il dit que s'il est dans un bar, les gens bagarrent à l'autre bout de la salle, le couteau va sauter là-bas, ça va venir le toucher. Bonjour Yolande de Suisse.
Je commence le travail sur elle. Février 2022. Elle part chercher. Elle ne touchait jamais même 50 000 en une fois. La dame qui vous parle aujourd'hui, un an plus tard, elle a été payée. Elle paye l'école de 1 million pour son enfant. Comme ça, cache donc. Comme ça, là, quelqu'un qui vient dans le studio de 40 000 l'année passée. Aujourd'hui, elle est aux États-Unis. À l'époque où on parlait, elle ne savait même pas comment. L'affaire de voyage n'était même pas un truc qu'elle pouvait penser faire. Mais il s'avérait que la novembre qui a précédé notre rencontre, donc novembre 2021, elle avait joué la loterie. Février, je commence à travailler sur elle. C'est comme ça que deux mois après, elle se retrouve avec trois opportunités de voyage. Sa loterie a marché. Si ça a marché, soit elle reste au Cameroun, attend que ça marche, ça fait tout aboutir avant qu'elle parte. Tu as sa soeur qui est dans un pays qui lui dit viens. Tout frais payé. Tu as une autre soeur dans un autre pays qui dit oh, viens, je travaille avec toi. Elle a prié alors que Seigneur, montre-moi s'il y a un décepticon dans tout ça. Un jour, elle reste comme ça, elle n'avait pas l'argent pour faire le passeport. Donc, elle dit que c'est quelqu'un qui racolait seulement l'argent. Elle tacle ici là au marché Congo, elle tape, elle fait comme ça là, c'est un peu d'argent. Elle fait un truc comme ça, là, elle vend, ça donne un peu d'argent. La veille de son voyage, c'était la bagarre. À l'aéroport, pour qu'elle arrive aux États-Unis, j'ai dû laver la file à l'urgence. J'arrive le premier tour, on me dit que je ne peux pas passer parce que ça, bam, boum, tant, tout, tant. Elle a le vol. Elle arrive, elle met ses bagages dans le casier. Il perd le code. Tu as entendu ça? Ah. Oh. Maintenant, elle arrive, elle a excédent de bagages. Elle veut payer. On dit qu'on ne prend pas le sa carte. On dit que le mot de, il faut la carte Visa. Ce n'est pas la carte Visa qu'elle avait. Un jour, je vous ai demandé si quelqu'un pouvait faire un dépôt à quelqu'un. PayPal, je ne sais pas trop quoi. C'était pour elle. Même d'abord, oh Seigneur, maman, pardon, fais un long message. C'est maintenant qu'elle me rappelle que durant toutes tes péripéties-là, je me rappelle une nuit, elle me dit à 20h ou 21h que je passe à l'ambassade demain à 8h. Je n'ai pas l'argent pour compléter. Il me faut tel nombre d'euros pour payer les frais de visa. Celui qui peut m'envoyer est loin. Il n'est pas envoyé que par... C'était PayPal, je ne sais même pas trop quoi. Me voilà à 21h en train de chercher. Est-ce que quelqu'un peut donner l'argent là-bas à tout? Ces blocages étaient partout. Elle dit qu'elle sort de l'ambassade. Elle dit bonjour. J'ai quand même une cousine avec laquelle j'étais bien là. J'ai filmé le visage, lui a envoyé. Dès qu'elle a vu, elle s'est fâchée. Elle dit que toi, mon tu es bête. Tu es folle. Dernier jour qu'elle a, elle est partie à l'aéroport, elle arrive encore, elle dit que on me recale encore parce que quoi. Je dis que hop. J'ai fait seulement le lavage, le quoi, ça, quoi, ça. J'ai seulement pris son nom, même pour le nom, tac, on a commencé à travailler dessus. Après, elle se filme seulement à l'aéroport. Welcome to Jules International Airport. Il dit que tu es arrivé. Oh, moi. Tu es arrivé, mamie. Mais comme tu es arrivé là, ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début de ta bagarre. Il y en a parmi vous, on a vu votre richesse dans vos... Donc, certaines personnes de votre famille connaissent que l'enfant, si un jour elle devient riche, si un jour elle arrive en bain, si les pieds de la fille touchent le Canada, c'est comme ça qu'ils sont derrière toi. Parfois, je regarde, on s'est dit que, hier, c'est là, 3 mois, tu étais en train de dormir dans une chambre avec 5 personnes. Parce qu'elle a atterri en Beng là-bas, du côté de Beng, elle avait demandé l'asile. Donc il fallait qu'elle dorme avec les gens dans les chambres. Et c'est moi que supporte. Tu connais là où tu pars. L'autre jour, elle a fait 100 000 francs de dons aux orphelins. Il dit que Seigneur, voilà ta fille. Avant, pour elle, pour avoir 20 000 francs ou 25 000 en une fois dans la main, c'était dur.
Écoutez, mesdames, écoutez. Ne cherchez pas à acheter un de mes produits. Je vous dis, je ne vous chasse pas sur mes produits. Hein. Avant que tu touches à ma chose que j'ai bénie, je veux que tu comprennes que tu es en train de commencer quelque chose qui va changer. Je veux changer ma vie, Seigneur. D'abord, commence par le sel. Prends ton sel qu'il y a dans ta cuisine. Avant de venir acheter mon sel de 2000. Fais. Il dit que... Tu vas voir comment en 2 semaines, le sel va faire l'argent, va entrer. Un peu. Tu dis, hey. J'ai vu un témoignage hier soir dans les messages. Une dame, elle a payé la dîme la veille. Donc, avant-hier, le 4, elle a payé la dîme. Seigneur, je reçois Dieu. Elle prie, elle envoie le message. Hier. Yeah. Elle me dit, oh là là. Je vais vous lire son témoignage. C'est le Seigneur qui fait. C'est pas moi. Elle dit, ma reine, elle a payé sa dîme 10 000, le 4. Ma reine, depuis que j'ai pris le kit fondation, mes ennemis se dénoncent. Chaque fois, et je fais tellement de rêves où les gens me protègent. Aussi, je vois mes frères et sœurs prospérer lors du rituel de pleine lune. J'ai demandé à Dieu de m'envoyer mon aide de destinée. Chose incroyable, ma reine. L'une des sœurs de mon gars qui réside en Angleterre, qui ne m'a jamais vue, m'a contacté hier pour me dire que je viens lui montrer une proposition de business car elle veut m'aider. Ma reine, je n'y croyais même pas. Elle m'a dit qu'elle comptait me dire ça en fin d'année ou l'année prochaine. Ce que Dieu peut faire, ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Elle m'a écrit à 10h30 avant-hier. Hier donc, elle écrit, « Bonsoir, ma reine, j'ai payé ma dîme hier. J'ai fait un chiffre d'affaires de 1 million, quelque chose que je n'arrivais plus à faire depuis. Et puis, depuis un mois, j'ai pu rembourser une partie de mes dettes. Il y en a parmi vous, hein. Tout ce qui te manquait, c'était les principes spirituels. Et parfois, je vous dis toujours que vos pasteurs parfois ne vous expliquent pas bien. Quand on t'explique la spiritualité, écoute, Seigneur Jésus, je veux que tu fasses ça. Voilà, je donne ça. Seigneur, je sème cette offrande-ci. Libère-moi de ça. Seigneur, je fais comme ça. Libère mes enfants de ça. Je souffre. Aidez-moi. Aidez-moi. Arrêtez la bêtise. Arrêtez la bêtise. Aidez-moi. Ma reine, je souffre. Hein. Tu souffres pour qui? La dîme se paye là où tu es nourri spirituellement. Et il y a des personnes que spirituellement, ils sont suivis par moi. Il y en a qui me suivent même, mais on ne se parle pas tant que ça. Hein. On se suit. Voilà, vous me suivez. C'est-à-dire, tu suis ce que je fais. Mais mes vidéos t'ont ouvert l'esprit. Quand tu te lèves le matin, tu écoutes ma vidéo, ça te remet en place que bon, je fais ça. Voilà ton guide spirituel. Michel Eva écrit donc, pour couper les liens, pas forcément besoin, je vais travailler sur toi d'abord. Quand tu viens de sortir d'un truc comme ça, il faut travailler sur toi. Qu'on voit si ce n'est pas dû à un truc spirituel, la rupture.
Donc, pour toi, c'est pas couper les liens forcément. La dîme, c'est ta façon. La Bible, quand tu dis, quand tu paies ta dîme, la Bible dit, Malachie 3, verset 10 à 12. Apporte la nourriture à la maison du Seigneur. Seigneur, comme cette femme me nourrit spirituellement. Il y en a que quand vous m'écoutez, vous savez ce que ça fait dans votre esprit. Et je sens que je suis dans ma mission de vie parce que je ne peux pas passer une journée sans enseigner. Même si je suis sur le lit couché. Je vais tout prendre quand même le téléphone et me dire que bon, il faut que j'enseigne. Comme j'apporte la nourriture à ta maison, je te mets à l'épreuve, Seigneur. C'est la Bible qui le dit. Allez lire. Seigneur, ouvre les écluses des cieux sur moi. Ouvre mon ciel. Parce qu'il n'y en a pas, mamie, vous, même si je veux, je ne peux pas. Je ne peux pas venir te donner le mari. C'est Dieu qui donne. Fallon, vous me laissez avec les coupures de liens. Seigneur, je déclare que je chasse le dévoreur sur mes finances. Je chasse le dévoreur. Il y a le kit commerce pour le commerce que tu veux faire marcher, ma chérie. Rien n'avance dans ma vie. Bravo, plains-toi. Il y a le lavage au sel. Lave-toi avec le sel. Pas la vue d'une dame une fois, je la consulte la semaine passée. Oui, bon, je suis aisée financièrement. Bon, elle a appelé à soigner. Elle est du 6-7. Elle est du 6-7. Oui, je vois. Non, même la dîme, j'ai payé ma dîme chez toi une fois. Mais ça marchait. Mais après, j'ai laissé. La dîme, c'est une histoire d'alliance. C'est une histoire d'alliance. Il y en a parmi vous que vous avez des malédictions qui vous suivent depuis au moins 5 générations. 7 générations. Et les démons qui sont passés dans votre famille de génération en génération, là, ils sont âgés. Ça fait longtemps qu'ils sont là. Le kit au Gabon commence à 90 000. Voilà, Claudie, des vidéos. Je pense que je suis ton guide. Quand tu as de la dîme à payer, tu payes chez moi. Pour moi, l'affaire des dîmes, je connais ce que la dîme a fait dans ma vie. Et il y en a ici, vous savez, je n'ai même pas besoin de vous dire, vous savez ce que la dîme fait dans votre vie. Ne vous amusez pas avec votre dîme. Ne vous amusez pas avec votre dîme. La dîme ne se paye pas après que tu as fini. Bon, j'ai acheté mes habits, j'ai payé mon loyer, j'ai payé... Non. La dîme enlève la honte sur toi. La dîme te stabilise. Ça chasse le dévoreur de tes finances. Il y en a parmi vous. Tu commences un truc, après tu laisses. Tu commences, après tu laisses. J'insiste sur les enfants. Travaillez sur vos enfants. Ne blaguez pas. Ne blaguez pas. Tu abandonnes ton enfant que tu abandonnes à qui? Ta vendeuse t'a volé, wow, près de 2 millions. Tu fais quoi comment, mamie? Porte plainte contre elle d'abord. Travaille sur toi-même d'abord. Parce que si on a pu avoir te voler de l'argent, c'est le dévoreur qui t'a volé. Vous, les commerçants, là, vous n'aimez pas quand ils vous parlent de dîme. Vous n'aimez pas la dîme. Hier, j'ai un de mes petits. Il dit que quelqu'un ne peut pas travailler pour moi. Il paye quelque chose. Il m'a parlé comme c'était le film hier.
Voilà l'histoire qu'il me raconte. Il a envoyé acheter quelque chose au marché pour la fête. Après, j'essaie de le joindre, ça ne passe pas. J'essaie de le joindre, ça ne passe pas. Enfin, ça sonne, il ne décroche pas. Après, il prend 2 heures de temps, il prend le téléphone, il me dit, je suis allé garer au marché central pour aller acheter quelque chose. On est venu porter ma moto. Quand on porte ma moto, un petit me retrouve au marché, me dit, grand, on a te volé ta moto. Donc, le film, hein? Que grand, on a te volé ta moto. Je reviens sur mes pas. Je vois qu'on a porté ma moto depuis, parce qu'il n'y a même plus moyen que je retrouve. Et lui, il connaissait le chef bandit. Non, le chef des bandits. Il connaît un chef bandit, là, il appelle. Il dit que là où je suis là, c'est chaud, on a volé ma moto. Le gars dit qu'il n'y a pas de problème. Il a acheté son problème. Là, là, là. Il dit que le gars l'a amené là où on fait, là où il y a le marché central des motos volées. Donc sa moto venait d'entrer à l'expo vente. On a récupéré sa moto là, là, là. On a remercié les gars qui avaient volé. Vous connaissez ce qu'on leur a fait, bien sûr. On les a remerciés. Donc 2 heures plus tard, il a repris sa moto comme si de rien n'était pour continuer ces choses. C'est ce qu'on appelle ce que le dévoreur voulait dévorer. Quitte commerce pour la Suisse, je pense que c'est 250 euros. Ça veut dire que, imagine, on te vole. Ça veut dire que tu. Donc, ça veut dire, je veux dire que si jamais tu ne retrouvais pas, ça veut dire que le soir, non seulement tu as perdu, c'est quelque chose qui te donnait de l'argent, mais il faut que tu cherches de l'argent pour remplacer la chose. C'est ce que le dévoreur fait. Les pertes qui te sortent de tu ne sais pas d'où. C'est bien, Nao. D'accord, si tu écris, on va répondre, Didi. Si tes enfants sont au Cameroun, il faut envoyer leurs photos, je travaille sur eux. Pour bloquer tes enfants, on n'a pas besoin d'eux. Même toi-même, pour te bloquer, est-ce que quand tu te bloques, je t'invite à une cérémonie, bon, tu sais, c'est toi qu'on va bloquer, on a besoin de ta présence. Il faut venir. Bienvenue à tout le monde, nous sommes là pour bloquer Miss... non. Allez, viens te mettre ici. Tu es bloqué au nom de Jésus. Non. Non, non. Mais bien sûr qu'on te bloque sans toi, ma chérie. Tu n'es pas au courant. Mais pourquoi, pour te débloquer, j'ai besoin de ta présence physique? Arrêtez de bloquer votre esprit. Vous fermez votre esprit, c'est comme ça que vous vous bloquez. Donc, j'ai dit que les promotions continuent aujourd'hui jusqu'à 12 heures. 10% de réduction. Que Dieu vous donne les employés fidèles. Que Dieu vous donne les employés fidèles. Juste, droit. Et que vous-même, vous soyez juste. Je déclare que vous n'allez pas être injuste. Tu vas envoyer ta dîme, il faut prendre le numéro de téléphone. Tu envoies peut-être par Orange Money, par MTN Money. Ou par PayPal. Tu es dans quel pays? Prenez les numéros pour les paiements, s'il vous plaît. Numéro pour les paiements. Vous savez, vous êtes un peu comme la poule que je nourris. Vous me suivez? Je sais que si je t'apprends à prospérer, plus tu prospères, plus je prospère. C'est pour ça que je vous enseigne beaucoup. J'ai investi sur vous. Vous me suivez? Supposons que tu étais censé avoir 100 000 cette journée. Sans mes enseignements, tu as peut-être 5 000. Avec mes enseignements, tu as 100 000. Comme tu as augmenté, tu as eu 100 000. Quand tu as payé ta dîme, je profite aussi, non? Laissons l'aspect là-même. Mais je veux vous voir prospérer. Je souhaite par-dessus tout. Mamie, quand tu prospères, c'est sucré.
Tu veux faire quelque chose, tu fais. Il y a tel problème, tu fais. Tu fais. Le numéro Orange Money, 655. Vous mettez 237 devant, 655. 31 0750 655 31 0750 655 31 0750 Côte d'Ivoire, pour payer la dîme, 0779, 0779, 02, 52, 05. Si tu es au Congo, RDC, en dollars, c'est... Je n'ai pas dit 20%, ma chérie. Il ne faut pas venir prendre les mots dans ma bouche que je n'ai pas mis. J'ai dit 10% de réduction, pas 20%. Au Gabon, le numéro, c'est le 0 74 18 0080. Gabon. 0 74 18 0080. Pendant les menstrues, on fait pas le bain de sel. Mais le parfum, vous pouvez. 0,74-18-0,080. Côte d'Ivoire, 0,7-79-02-52-05. Cameroun, 237-655-31-07-50. Quand il vient au Gabon, ne cherche pas à me voir physiquement. Va prendre un kit d'abord. Je viens jamais au Gabon pour me reposer. Donc quand j'arrive au Gabon, je ne consulte pas beaucoup. Pendant la consultation, je te parle à distance. Si tu ne veux pas, tu laisses. Tu as compris? Voilà. Je ne cherche pas forcément à me voir. Je ne veux pas, tu laisses. Non. Tu ne payes pas, je ne paye pas, on laisse. Ce sera selon mes conditions, pas selon vos conditions. Kit fondation au Congo, c'est peut-être 180 dollars. Hein. Écris, voilà le numéro dans la bio, non? Je n'ai pas de papier ici, là, pour vous dire que je vais regarder sur le papier. Pour la consultation, tu dois d'abord me suivre pendant au moins 2 mois. Je vous connais. Ne donnez pas mon numéro à vos soeurs qui ne me connaissent pas. S'il vous plaît. Oui, vous êtes qui? Elle m'appelle et me demande qui je suis. Hop. Qui t'a donné mon numéro? Oui, c'est ma fille qui est en Allemagne. Quand vous donnez mon numéro à vos mères, je vous en prie. Pardon. Si tu viens de commencer à me suivre, prends le kit fondation d'abord. Ne cherche pas la consultation. Parce que la consultation chez moi, ce n'est pas pour dire que oh, c'est ta tante qui te bloque. Oh, c'est ta soeur qui te bloque. Non. Ma consultation, ce n'est pas ça. Je veux que tu me suives longtemps pour comprendre d'abord ce que je fais. Si tu ne comprends pas ce que je fais, pourquoi tu vas venir payer 80 000 pour me parler?
Même si tu as l'argent à bousiller, ne le bousille pas sur moi comme ça. Fais-moi une offrande, mais ne viens pas dire que tu veux me parler. Après, tu arrives, tu commences à dire que... oui, expliquez encore bien ce que vous faites. Je ne veux pas. Quand tu tombes sur quelqu'un qui t'intéresse, pourquoi tu sortes tes 120 euros pour donner chez la personne? Va d'abord voir ce que la personne fait. Et la maman m'a fait rire. Vous êtes qui? Vous faites quoi? Il dit que... Oh, et quand vous allez tomber sur mes vidéos, ne soyez pas pressé pour parler de moi aux gens. Parce que tu cours le risque que cette personne-là te décourage sur ton travail spirituel. Ah, c'est le lavage au sel. Ah, laisse la femme là. Alors que tu as fait depuis 2 jours, tes choses commençaient à bouger. Te voilà. Rachid, bonjour. Te voilà. Tu rentres le soir, dès que tu veux mettre le sel dans l'eau, tu dis, ah, c'est tout là, ça ne marche pas. Tu repars encore dans le rêve, on te gifle. Rachid, merci. Une parole peut vous décourager. Faites attention à qui vous exposez vos choses. Souvent, la personne me dit que non, c'est trop simple, le sel, c'est quoi? Moi, je connais un père là. Un père, ce qui fait sa marche. Il n'est même pas cher comme la femme si. Te voilà, c'est fini. Hein? Aïe, aïe, aïe. Toute la foi que tu as conçue depuis 3 mois là, que non. Mes choses peuvent marcher. Ouais, vraiment, je peux avoir le cadeau de visa pour le Canada finalement. Hein. Tu abandonnes tout ça. Tout. Quand tu tombes sur mes vidéos, tu dis, escroc, tu soulèves. je vous connais. Parfois, c'est comme si je suis dans votre tête. C'est parce que souvent aussi, vous venez même m'avouer. Tu vois que quelqu'un me fuit pendant 6 mois. Après, elle revient. Elle dit, tu sais, je vais t'avouer. Je me suis désabonné de ta page même 5 fois. Bah, tu cries trop sur les gens. Oui. Ah, Seigneur. Tu as changé de nom pour revenir. La pauvreté te gère. Tu as compris, non? La pauvreté te gère. Oh, la pauvreté n'est pas bien, hein? Poverty is not good. Quand tu es là, tu as tes 2 abonnés. Même si je me mettais ici sur les réseaux sociaux, je chante seulement et danse. Les gens m'aimeraient bien. Mais je ne peux pas voir quelqu'un se pas dans le trou pour tomber, je le laisse. Ma bouche va parler. Ma bouche va parler. C'est pour ça que je suis sur TikTok pour bavarder dans vos oreilles. Il n'y avait que parler. Donc maintenant, quand quelqu'un est là et voit, ça l'énerve. Tu vois, j'ai les abonnés, ça t'énerve. Ok, si il n'est pas les abonnés, ils vont venir chez toi. Hein? Mais Seigneur. Je ne veux pas être plus meilleur que quelqu'un. Moi, je sais que je suis moi. Je suis comme je suis. Si vous me comparez à quelqu'un, c'est là que vous allez vous perdre. Tu me compares à quelqu'un. Ne te dérange pas, Ahmed. Je suis Dieu. Tu as compris? Je suis Dieu. Je suis Dieu de certaines personnes. Tu as compris, non? Pauvre. Tu as mis ta petite connexion. Il n'y a même pas le temps pour vous ce matin. J'ai trop de bonne humeur. Quand tu te réveilles, tu vois que par le soleil qui se lève. Il y a certaines personnes que vous allez vous stresser dans le froid ce matin. Comment il ne va pas venir t'insulter sur ton TikTok? Quand ils voient alors comment les gens disent que vous êtes meilleur, vous êtes unique, ça les énerve jusqu'à. Pourquoi vous appréciez la fille là? Regardez, elle n'a même rien. Moi, j'ai plus qu'elle. Moi, je peux faire plus qu'elle.
Je suis conscient que tu peux faire plus que moi. Ça ne me dérange pas. Donc, en fait, je suis seul dans mon couloir. Je ne vous calcule pas. Je ne me compare pas à vous. Et j'ai toujours dit que mes produits, mon travail, ce n'est pas pour tout le monde. Quand vous allez commencer à... Donc, apprenez que vous n'êtes pas pour tout le monde. Tu as bien parlé, Sarah. Partez aussi faire pour vous, alors. Allez faire pour vous. Là, dans le direct, il y a des gens que ma tête les énerve juste là. Quand ils me regardent comme ça, là... Je vous bénis. Je vous bénis. Ah, Colo, déteste-moi, il n'y a pas de problème. Ok. C'est fou quand, peu importe l'émotion que tu as pour quelqu'un, la personne ne te calcule même pas. Donc, tu n'es pas dans son champ axial. Donc, dans toutes ses pensées sur 50 ans, il ne pense pas à toi. Oui. Ça fait mal, non? Thank you, merci pour les compliments. Andrea, merci. Vanessa, merci. Vous savez, j'ai toujours eu cet instinct très maternel, ce qui fait que quand les gens arrivent autour de moi, même quand les gens plus âgés que moi, hein, ils ont une facilité à se laisser, je sais pas comment on peut dire, à se laisser guider par moi. Oui. Vous savez qu'on a tous besoin d'une maman, non? Et moi, j'ai perdu ma maman très tôt. Je me rappelle quand j'avais 22, 23 ans. J'ai beaucoup souffert, j'avais besoin de direction. Quand je me rappelle encore de ça, la sensation est très désagréable. Tu vois, quand tu es là, tu vois comment ta vie est en train d'échouer. Tu étais censé peut-être te marier. Le mariage se gâte. Alors que si ta mère était là, peut-être, elle te conseillait, elle te guidait. Elle pourrait même partir te défendre. Hmm? Elle pouvait te défendre. Donc, j'ai eu ce vide-là. Bonjour Nadège, la Côte d'Ivoire. Et ce qui fait que j'ai développé mon instinct maternel très vite. Je préfère conseiller quelqu'un, il ne m'écoute pas, mais je vais que conseiller. Je tape même souvent. Hein. Parce qu'en fait, hein, c'est comme si l'être humain ne vit, face à sa mère, l'être humain ne vieillit jamais. C'est un peu genre, tu vas voir un homme puissant, voilà, dès qu'il voit sa mère, maman dit, allez, arrange-toi ton truc, il arrange un peu ça. Maman dit, ouais, fais comme ça. Viens prendre le bromel si tu bois. Yo, maman. Ok, dimanche, tu vas venir au village. On doit aller faire telle chose. C'est ça, en fait. C'est ça. Et quand tu trouves ta personne comme ça dans la vie, la mère, c'est pas seulement la mère qui t'a porté, qui t'a donné son ventre. Parce que beaucoup d'entre nous, nos mamans ne sont plus là. Mais d'avoir quelqu'un que tu sais que la personne s'y veut mon intérêt. Donc, en l'écoutant, je serais consciente des trucs que peut-être même ma mère ne m'aurait pas dit. Parce que la vie de quelqu'un, c'est le conseil. Hein. Donc, moi, personnellement, j'ai raté ma vie à cause du manque de conseils, parfois. Parfois, il y a une situation, peut-être l'autre qui a dit que ton mari te tape dessus. Je ne vais pas te dire forcément que c'est négatif. Il y a des maris parfois qui sont envoûtés. Au début, ils t'aimaient. Après, là, vraiment, sa mère pensait qu'elle allait toujours le manipuler.
Tu commences à faire, il se lave avec le sel au début, il se lave avec le sel. Elle part au village. Elle fait un truc, elle attache. Il va écouter seulement ma bouche. Je le sais pas de cette femme. Elle appelle, que mange ça, il mange. Les problèmes commencent à la maison avec ton mari. Donc, à partir de cette semaine, on ouvre les consultations pour les gens qui ont des problèmes de couple. J'ai trop tourné là-dessus. J'ai dit, je lance. Cette semaine, j'ai beaucoup de choses que je vais lancer. Ce n'est pas une consultation où tu vas venir amener ton mari pour qu'on le gronde. Tu serais surpris de savoir que peut-être c'est toi qu'on va gronder. Donc, je te conseille de venir la première consultation. Tu viens d'abord toi seul. Et ce n'est pas seulement, nous sommes un ensemble de trois personnes qui consultent, côté relationnel. Parce que je me suis rendu compte que la vie des choisis côté émotionnel est très délicate. Très. Très délicate. Donc on a ça. L'interprétation des rêves, c'est une personne qui fait, mais il y a consultation maritale. Donc j'aurai quelqu'un que toute la journée sera pour ça. Et c'est quelqu'un que j'ai beaucoup testé. Il a la jugeote pour ça. Il y a des erreurs dans ma vie que si j'avais eu l'encadrement adéquat, je n'aurais pas faites. Il y a des précipitations que je n'aurais pas faites. Bilan, bonjour. Maintenant, quand on connaît mieux, et tout dans la vie, c'est de ne pas être orgueilleux pour dire je n'ai besoin de personne. Qu'est-ce qu'eux, ils connaissent? Vous me suivez, non? Voilà. Bon. Je recentre votre pouvoir. Je déclare la sagesse qui vient d'en haut vous touche aujourd'hui. Tout ce qui était en vous comme une saturation. Je déclare aujourd'hui que c'est comme un ballon qu'on éclore ou bien ça sort. Je vous débarrasse des ralentissements. Je dépose en vous la sagesse qui va vous faire faire ce que vous êtes censé faire. Parfois, vous avez besoin de direction. Je fais comment? Je vais dans quelle direction? Recevez la direction aujourd'hui. Donc, comme on va commencer les consultations de couple ou bien côté marital, pendant un mois, les prix seront très bas. Voilà. Donc, on m'a dit aussi, je pense que je vais peut-être mettre à 30 000 francs. Oui. On peut mettre standard à 30 000, oui. Maintenant, tu peux être une femme célibataire. Je te conseille de faire ceci. Tu viens. Tu prends cette consultation-là pour détecter toi-même tes propres erreurs. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas que si vous avez des choses dans votre caractère qui vous tuent. Il ne s'agit pas seulement que tu te demandes quand on regarde, est-ce que c'est lui, c'est l'homme-là, c'est lui l'homme de ma vie? Non.
Il ne s'agit pas de ça. Que cette nouvelle partie qu'on est en train de commencer pour les relations, ça puisse vous permettre. Il y aura beaucoup d'enseignements dessus aussi. Parce que la grande partie, ce sera les enseignements. Il y aura aussi des formations auxquelles vous viendrez. Moi, mon but, c'est de... les personnes avec lesquelles je travaille sont des hommes. Ce sont les hommes principalement. Bonjour, monsieur Fantôme. Donc, je ne peux pas dire que je vais parler de côté mariage avec l'aspect seulement, le point de vue de la femme. Mon but, c'est de vous permettre de vous comprendre, de comprendre vos maris, vos futurs maris. Sur un point de vue spiritualité africaine. Donc, vous me connaissez, non? Je mélange tout. Je mélange tout, je dis ce qui est bien. Je ne vais pas vous dire qu'il va rester seulement sur le contexte église catholique. Je ne vais pas vous dire qu'il va rester seulement sur le contexte traditionnel. Et vous savez que l'un de mes enseignants, c'est quelqu'un qui est un vrai... il est de quel village, là? Quelque part là-bas dans le sud, je ne connais même pas. En tout cas, il vous dira. Un vrai bantou. Voilà. Et le moment où tu te prépares pour être en relation, c'est quand tu es célibataire. Plus que jamais. Donc, officiellement, on lance des consultations relationnelles. Et on va faire aussi l'école du mariage. L'école du mariage, je crois qu'on va les faire une fois par semaine pour que ce ne soit pas trop lourd avec l'emploi du temps de mes employés. Donc, tous mes employés, je leur ai dit, je donne 6 mois à tous mes employés pour se marier. Vous m'écoutez en direct, non? Tous mes employés qui ont participé, à l'école du mariage, c'est, vous avez 6 mois pour vous marier. Déjà, hier, il y a une qui m'a annoncé que oh, son gars veut aller toquer la porte. Donc, je lui ai dit, ma chérie, vous allez tous vous marier. Quand on va arriver là-bas, tout chacun aura la bague sur son doigt. Oui. Le tout, c'est pas de se marier, c'est de stabiliser sa relation. Et que cette relation te permette de t'épanouir. Consultation couple. Si vous voulez consultation couple, dites seulement consultation couple quand vous écrivez. On a mis à 30 000. En tout cas, ceux qui ne diront pas cela, on le saura. Parce que vous allez écrire, dit consultation couple. Même si tu es célibataire, prends cette consultation. Quand tu fixes une date, tu dois te préparer, ma chérie. Tu dois te préparer. Bonjour, le roi. Oui. Monsieur a dit où? Bonjour. Vous savez qu'on parle même de mariage, il y a tellement d'aspects dans le mariage. Il y a l'aspect du chocolat. Il y a l'aspect de la communication. Beaucoup de couples ne communiquent pas. Donc, c'est ce qu'on va... On va vraiment appuyer sur beaucoup de ces points-là. Il y a la vie spirituelle du couple. Et je me rappelle, la semaine passée, on consultait un couple. La mère du gars de ce couple est très envahissante. J'ai dit imposante, influente, non. Envahissante. Magali, je ne te réponds pas. Tu as compris? Parce que je sais que vous-même, là, quand vous êtes dans vos relations, l'homme ne te trouve jamais couché à 6 heures. Tu n'as rien fait. Tu as mis la nourriture qu'il mange. Tu as... Et puis, il te fouette. Non. Ça a commencé quelque part. Et c'est ce quelque part-là qu'on voit ensemble. Peut-être dans ta mère... Se faisait tout taper par ton père. Ou bien donc, il y a des cycles répétitifs que vous avez. Donc quand vous venez avec certaines choses, que, oh, il y a ça. C'est seulement la surface que tu montres. Il faut qu'on creuse pour voir le fond de la chose. Magali, je vais te bloquer. Vraiment, je n'aime pas ton énergie. Je crois que toi, là, tu cherches. Il me frappe gratuit. Je n'aime pas ton énergie.
Le truc avec les femmes, quand vous n'êtes pas à l'aise dans un couple, vous voulez forcément accuser l'homme. Oh, il fait comme ça. Donc, je vous dis encore, soyez prêts, soyez préparés à ce qu'on va vous dire. Parce que les gars avec lesquels je travaille, ils sont trop honnêtes. Je ne sais pas comment ils peuvent dire. Ils te disent ta vérité comme c'est. Comme c'est. Si tu ne veux pas écouter, ne viens pas. Parce que les choisis aiment qu'on leur dise qu'ils ont les pouvoirs. Oui, oui, vous avez les pouvoirs. Ouais. Vous aimez ça, non? Mon mari me battait trop. Et son... Je ne comprends pas. Ah, son père bat sa mère. Voilà. Jusqu'à présent. L'homme te traite comme tu te traites toi-même. Merci, monsieur Maougon. Donc, quand on consultait ce couple-là, la maman du jeune homme est très, très imposante. C'est une femme qui est très... Tu vois, la femme qui a un caractère fort. Dans lui, il se met en couple. Ce qui fait que ça, chaque fois, il y a un problème. Tac, il appelle sa mère. Et devinez, ça va frustrer la jeune fille. Vous avez regardé le film L'Impératrice sur Netflix? Une mère qui contrôle le pouvoir à travers son fils. Elle contrôle le pouvoir à travers son fils. Et là, elle reste en bourgeois, dit, il te faut une femme. Comme ça, le peuple va mieux t'aimer. Écris dans ma bio, là-bas, il y a le numéro pour la consultation. C'est comme ça qu'ils prennent une femme. Et il savait qu'il va choisir une femme qui a le caractère, comme sa mère. C'est fou parce qu'il disait qu'on va attirer par une femme qui a le caractère. Une femme de caractère comme sa mère. Donc la femme arrive, donc. Elle arrive, elle devient l'impératrice puisque son mari est l'empereur. Qu'est-ce qui se passe? Les deux femmes commencent à avoir les clashs. Parce que la vieille femme ne veut pas laisser la nouvelle femme tenter aussi ces choses. Maintenant, bonjour bijou, merci. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le peuple commence à aimer la jeune. Donc les jalousies commencent à monter. Combien de belles-mères ont détruit les foyers? Tu as ton mari. Tu laisses ton mari, tu pars déranger ton fils dans son foyer. Le truc, la beauté du mariage, c'est qu'il fait même que les deux personnes s'unissent. Donc, que fait comme ça là? Vous faites vos problèmes. Donc, c'est un peu comme si on vous met deux ennemis dans une fosse au lion. On va dire, dans une salle, on ferme, on jette la clé. Oui. Vous allez vous bagarrer. Après, on se calme. Après, on entend les bruits de l'amour. Après, on entend quoi? Après, on se calme. Après, on entend les bruits de l'amour. C'est ça le foyer en fait. Un jour, maman, belle-mère qui fait 7 mois chez toi. Ah! Maman, il te laisse, elle ne veut pas. Non, à nos filles. Hein? À nos filles. Mi. Ah, moi, je me rappelle une fois. La belle-mère voulait venir. Il dit que. Dans la nuit, elle est allée à l'esprit, me dit que non, on n'accepte pas. Il me lève et dit à mon mari que papa, pardon. Belle-mère, elle est gentille dehors. Hein. Elle est gentille dehors. Hein. En tout cas, bonjour les belles-mères, on vous aime. Hein. On vous aime à distance. Vous êtes bien à distance. Vous voyez les règles de sécurité, la distance de sécurité du corona là. On veut garder ça avec vous, belle-mère. Tu n'as pas préparé pour mon fils, pourquoi? Pourquoi il mange à 23 heures? C'est ta femme là, hein?
Tu manges la nourriture de la ménagère dans la maison aussi. Oh, laissez-moi, pardon. Elle a fini par gâter ton mariage, ça va? C'est bon? Souvent, elle fait, c'est comme si son fils doit choisir. Donc, il y a un problème, elle prend le parti. Toi, tu es là-bas, elle va se mettre à l'opposé de toi. Elle met alors son fils dans les problèmes. Choisis. Ce sont les énergies des belles-mères. Dans le passé, j'ai eu ça avec les belles-mères. J'avais une belle-mère que même la perruque a retiré sur ma tête pour porter. Non, c'est ta perruque là que je veux. C'est ta perruque là que je veux. Parfois, vous mangez dans la chambre à belle-mère. Voilà, hey, tu prépares pour ça. Comment elle peut mettre le fils d'elle et imaginer l'homme alors? Non. Les belles-mères ne sont pas censées vivre à la maison, vraiment. Vous, quand vous êtes en bain, vous l'invitez, quand elle vient pour s'occuper du bébé, là, c'est délicat. Très délicat. Maintenant, vous devez... Je crois que ça doit être le premier sujet de l'enseignement qu'on va faire sur le mariage. Mon enseignant, là, va vous sortir les cartouches sur ça. Je vous dis... Parfois, c'est le savoir-faire que vous n'avez pas. Tu conduis la belle-mère là comme ça, là, tu lui montres que passe par ici, elle passe, tu fermes la porte, un clac. Elle n'arrive plus à revenir. Parfois, tu as une belle-mère qui est tellement négative que toutes tes autres belles-sœurs là la fuient. Elle arrive en Europe, vous êtes dans 4 pays. L'autre en Allemagne, l'autre, elle vient s'asseoir chez toi, parce que c'est toi qui tolères. C'est même pas que tu clashes avec elle. Vous apprenez à faire la politique. C'est la politique. La politique. Et chaque couple a aussi besoin de sa saison. Parfois, quand vous vous mariez, vous avez tellement de dettes, tellement d'engagement, vous ne trouvez pas le temps pour vous aimer, pour apprendre à vous aimer. Merci, Angéline. C'est le temps que tu investis dans ta relation qui va donner après. C'est pour ça qu'il y a des saisons où vous n'aimez plus. Après, il y a des saisons, ça revient encore. Tu dis que, hey, amour, tu étais parti où? Tu te balades souvent. Tu étais où maintenant cette fois-ci? Non, je suis allé me balader chez tata. Amour est parti. Après, il est parti un peu. Il est revenu. Avant de revenir. Et quand il part comme ça, tu ne sais pas ce que tu dois faire. Donc, il y a des petites choses à faire. Parfois, c'est l'impatience qui a fait que vous avez gâté vos relations. Je ne voulais pas attendre. Je ne voulais pas attendre. Parfois, il faut seulement que... Oh non, non, je dois partir. J'ai ma copine en Angleterre. Sa belle-mère est chez eux depuis un an. Et ma copine, c'est une fille très pieuse. Elle n'est pas comme moi, elle ne travaille pas fort comme moi. L'autre jour, on parlait. Et j'aime pas une fille qui va m'appeler. Elle ne va pas m'appeler pour se plaindre d'elle. Genre, oh, ma belle-mère, non. Oh, je m'appelle. On parle après. Que God is giving me the grace. Oh. Et ça indique qu'il y avait beaucoup. Tu imagines, tu vis avec ta belle-mère. Elle fait ton... Vous avez un projet. Bon, on va maintenant acheter la maison dans le pays où on vit. On est tous les deux résidents en Angleterre. On va bientôt faire la nationalité. Avoir la nationalité. C'est quand même prudent d'acheter le terrain ici, non? Enfin, la maison. Non, elle vient voir son fils par derrière. Elle découvre seulement que son fils est en train d'acheter la maison au pays. Ah! Elle dit qu'elle est restée comme ça là. Belle-mère! Oh, mof midé. Tu as rêvé de moi, en train de te laver le visage. Michel, il faut prendre, j'ai un spray pour le visage là, pour enlever les voiles sur le visage. Soit tu prends un lavage à distance, soit tu achètes ça. Le spray là s'appelle Embellis-moi, pour enlever les voiles sur le visage là.
C'est elle qui prenait les décisions dans ton foyer. C'est comme ça. Je déclare que vous allez mûrir. Je déclare que vous allez mûrir. Vous allez avoir de la maturité, du tact. La sagesse entre dans votre corps à cet instant. Vous n'allez plus détruire vos choses. Vous allez être celle-là qui construit sa maison, qui construit ses choses. Au nom de Jésus. Merci, docteur. Tu vas être celle qui construit sa maison. Celle qui arrange ses choses. Tu ne gâtes plus. Je suis belle et calme là, vraiment. Je ne sais pas si on peut vous qualifier de calme. Mon mari qui peut vous dire. Vous savez, chaque rôle qu'on a dans notre vie demande une facette ou une personnalité de nous. Pour voir quelqu'un au travail. Bonjour, merci. Oui, merci. Ok, merci. Tu la vois à la maison avec son mari. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Beaucoup de choses vont revenir à la surface. Vous êtes en plein travail. Ok? Passez une belle journée. Mais oui, donc, Glory, c'est très vrai, je sais ce que je vous dis. Souvent, tu vois quelqu'un rire avec toi, mais avec ses enfants. La même personne. Oh, bonjour. Eh, passez là-bas, moi, non, idiot. Ah, oh, maman, tu es là. La même femme. Pas évident parfois de concilier les deux. Généralement, ça montre certaines lacunes que nous-mêmes, on ne connaît pas. Jusqu'à ce que le temps de guérison arrive. Et que Dieu te pointe, là tu comprends.